Est-ce que les plantes ont une âme? Je parle bien de l'âme au sens philosophique du terme. Je n'en parle pas au sens religieux. Je n'entends pas par âme la notion d'âme spirituelle, qui est le propre de l'homme, je vais le voir un peu plus tard. L'âme au sens philosophique, c'est une cause immanente qui permet qu'un être qui devrait se décomposer tient, a des facultés vitales et tient en vie. D'ailleurs, quand cette vie s'en va, cet être retourne à ses éléments primaires. En l'occurrence, pour une plante, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'eau, etc. Bref, elle pourrit. Parce que sa structure est improbable. Elle est extrêmement complexe. Lorsqu'on regarde une plante, on constate qu'elle est vivante. Elle a des opérations vitales d'ordre végétatif. Elle est capable, au minimum, de se nourrir et de se reproduire. Les plantes sont capables de grandir en plus. Et on constate qu'il y a des unicellulaires qui, eux, ne font que se nourrir et se reproduire. On pourrait les mettre dans le même domaine que les plantes. La vie des unicellulaires, comme les bactéries, est aussi complexe que celle des plantes. Elle est formée de centaines de milliers de réactions chimiques à chaque seconde, etc. Ça devrait se décomposer. Et donc, en conséquence, parce que ça ne se décompose pas, il faut poser une cause d'unité de l'être de ces plantes, qu'on va appeler son âme. Évidemment, parce qu'elle ne produit que de la vie végétative, inconsciente et chimique, c'est donc une âme végétative. La cause est adaptée à l'effet. Et donc cette âme, elle est forcément liée à l'organisation atomique de ces plantes et de ces microbes. Organisation moléculaire, je devrais dire plutôt, qui est extrêmement précise, extrêmement bien ordonnée et qui fait que ça fonctionne. Mais en même temps, elle la dépasse quelque part. C'est comme si cette organisation extrêmement complexe, tellement complexe qu'on n'arrive pas encore à la comprendre, était vraiment unifiée par quelque chose d'ordre matériel, je le dis bien, mais quelque chose qui prend le vivant tout entier. Et donc, on doit conclure que les plantes ont une âme végétative et que cette âme est en rapport avec leurs facultés vitales.